Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu en as envie, tu peux aussi laisser un commentaire ou un pouce bleu. Bonjour tout le monde, bonjour les gens, bienvenue sur Papy Gaming. On est de retour sur The Beast Inside pour la suite de notre aventure. Donc souvenez-vous, la dernière fois, on était à l'époque de mon aïeul et on avait réussi à enfin rentrer dans la cave pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et c'était quoi ces portes fermées. Et on a constaté qu'en fait, on a un juge là qui portait cette perruque là, qui a été enlevé, on va dire ça comme ça, et torturé a priori parce qu'il était gravement blessé, on voit, il a du sang partout. Et a priori, il aurait été tué puisque c'est ce qu'on a lu dans les articles qu'on a trouvés à notre époque. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'aller sur sa piste pour voir si on peut retrouver des indices sur la disparition de mon père. Donc c'est parti. Le juge a énormément saigné, va chercher de l'aide. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir le pister en suivant les traces de sang. Enfin, en tout cas, on va bien voir. On y va. J'ai toujours pas super confiance, hein, comme d'hab. Surtout, à l'arrière, quand on est à l'époque contemporaine, ça va. Ah, il m'a fait peur, mais ce cheval-là, à chaque fois, il me fait flipper. Donc oui, je disais, à l'arrière, quand on est à l'époque contemporaine, ça va, je flippe pas trop. Mais quand on est à l'époque de mes aïeux, là, à chaque fois, je suis en stress total. Et là, c'est le cas. Ouais, exactement, je peux m'en servir pour le pister. Sauf que là, il n'y a pas d'autres traces de sang. Par là, peut-être à vous de l'autre côté, ouais, c'est ça. Vas-y, par là. Ok, il est parti dehors, a priori. Ouais, c'est ça. Bon, bah, allons-y, hein. Par contre, j'aime pas trop ça, partir dehors comme ça, moi. À l'aventure, dans le noir. Sous l'orage. Bon, allez, Chuck, courage. Il va aller à l'auberge. Je croyais qu'elle avait été fermée il y a de nombreuses années. Bah, écoute, a priori, on met de la lumière, en tout cas. Ok. Donc on observe. Ici on peut pas passer, d'accord. Ça, c'est pour la lampe. Histoire de pas tomber en panne. Ça aussi. Ok, là on prend plein de choses. On pourrait peut-être l'utiliser. C'est quoi? Ah, des munitions. Ok, je prends ça. Enfin, qui dit munitions dit ennemi. Je suis pas dupe. Ok, donc il y a d'autres traces de sang par ici. He must have known. Qui parle? Stay away. Oula. Don't come any closer. C'est quoi ça? Mais tire-lui dessus carrément, pas à côté. C'est un pendu. Mais tire-lui dessus! Oui! What? Il a disparu. Ok, je reste pas. Donc on suit les traces de sang toujours. Hein. Moi j'aime pas ça là. D'entrée de jeu, j'aime pas. C'est quoi, des munitions? Vas-y, je prends. Je veux des munitions. D'ailleurs, on va recharger tout de suite, là. Merci. Donc, on suit les traces de sang, hein, d'accord. Et puis, il y a un brouillard, là. Attends, il n'y avait pas des munitions par ici? Non, il n'y en avait pas, là.
c'est bizarre, j'entends du bruit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de moi. J'aime pas ça du tout. J'entends du bruit, j'entendais pas, je rêve pas, je suis certain que j'entendais pas. Ah oui, tiens, regarde là-bas. File, toi. Je crois que je t'avais pas entendu. Attends, avant de repartir, là, je vais d'abord visiter dans la baraque s'il y a des choses à récupérer. Tiens, un bingo. Des munitions encore. Waouh, là aussi. Là, ça, c'est le truc pour la lampe à huile. Les munitions, c'est pris. Ok. Et par là, il n'y a rien. Je le rentends l'autre. Il revient. Alors voilà. Ah, vise la tête, Chuck. Vise la tête. He's back again. How do I get rid of him? Ok. Donc il me suit, il revient à chaque fois. Hein. On est d'accord. C'est le principe. Ouais non, c'est là, c'est d'où je viens. Donc ok, c'est par là. Les traces de sang par là. Il y a encore des munitions là. Il est où? Il est où? Je l'entends, je le vois pas. Il est là. Tiens, prends ça. What do you want? Je sais pas ce qu'ils veulent. Il faut pas rester dans le coin, je te le dis moi. Ouais, j'ai des frissons qui me parcourent les chines, ça craint. Ça craint, ça craint. Ah là, il y a des traces. Ah zut, on peut pas péter le cadenas. On recharge, tiens, tant qu'on y est. Il est où? Attends, je vais rester dos à la porte. Il peut venir que par là. Voilà. Leave me alone! Laissez-moi tranquille, ouais, je suis d'accord. J'ai peur. Il m'a laissé pour mort. Mais c'est pas moi, monsieur, moi j'ai rien fait, hein. D'accord, là on est de l'autre côté de la barrière. D'accord, je passe. Ouais, wow, il y a plein de trucs ici, je prends. Je sais pas qui il croit que je suis, mais ça y est, va revenir l'autre. Il est où? Je vais me remettre dos à la barrière comme tout à l'heure. C'était une belle tactique. Non, il vient pas. Oh, j'aime pas quand il fait ce bruit-là. Elle est là. Allez, pars-toi. Pars-toi. Tiens. Je savais qu'il allait venir. En fait, quand il y a ce petit cri là, c'est qu'il vient. Pourquoi j'ai plus mon arme? Ah, j'ai eu peur. Parce que j'étais en train de courir. Ah, hop, munitions. Les traces de sang, toujours. Ok. Là, il y a rien de particulier. Oh oh. Oh oh. Deux trucs. Le v'là. Ah, bout portant. Chaque fois qu'il vient, chaque fois je stresse. C'est énorme. On est où là? Hillside. Ok. Enfin, on y va. D'accord. Par ici, il y a des choses à récupérer. Ouais, hop, impeccable. De ce côté-là. Il est où? Il est là. Tiens. On repart. Je suis arrivé de par là, hein, je crois. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Là, ici, il y a des munitions encore qui traînent. Hop. Il n'y a rien, non? Ok, on passe sur le pont. Oh oh. Il est où?
Faut que je passe, je vais pas l'entendre marcher sur la pierre. Je sais pas où il est. On va essayer de continuer. Je vais vers la lumière. Tiens. En plus, à chaque fois qu'il apparaît, il y a une espèce de brouillard qui vient et on n'y voit plus rien. Là, elle est fermée aussi, j'imagine il va falloir refaire le tour. Comme tout à l'heure. Ok, on récupère. Hop, là, il n'y a rien à récupérer. Hop. Où est-il ? Ça. Là, ça c'est d'où je viens. Et j'ai vu une trace de sang par terre. Enfin, il m'a semblé. Ça, je prends aussi. Et là, je vais où? Ah, là, la trace de sang que j'ai vu. Ah oui, d'accord. Là, donc là, je suis de l'autre côté du portail. Donc on continue. Allez. Heureusement qu'il y a beaucoup de munitions, moi je dis. Il n'y avait rien là par là. Non, il n'y avait rien. On continue. On suit le chemin, guidé par les traces de sang. Oh 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 oh. Je me mets dos à un mur. Enfin, un mur à un truc. Il n'y a pas. Merci, le voilà. Ah, ah, t'as cru me la faire à l'envers en te cachant. Donc en fait, j'arrive de par là, on a dit. Là, il y a des marches. Tac. Rien à récupérer. Une auberge pas loin d'ici, je ferais mieux de visiter cet endroit. Ouais, bah c'est là où on va, hein. C'est l'auberge satanique, un truc comme ça. Il y a des munitions partout, là. C'est pas bon signe, je vous le dis. Ça me rassure un peu, mais c'est pas bon signe. Bon. Ah bah là, voilà notre auberge. Et donc... Oula. Oula. Mais il m'envoie des trucs sur la tronche en plus ou je rêve là. Ah, puis il crève pas. Lui il crève pas, d'accord. A priori il va lui en falloir plus qu'une ou deux pour le tuer. Hein. Ah, quand il crie, il est énervé. Hein. Aïe. Ah d'accord, en plus il m'envoie des haches enflammées dans la tronche. Ok. Cours Chuck. Cours Chuck. Reste pas là. On va recharger un peu. Hop là, raté. Où mon petit bonhomme? Ah! Il a disparu! Il est apparu de l'autre côté! D'accord, il a un mode téléportation, un truc dans le genre lui. Aïe! Ouh, d'accord, donc faut pas qu'il m'explose dessus si j'ai bien compris. Et toi! Combien je suis remis dans la tronche là? Reste pas là, reste pas là, reste pas là! Non, je te laisse pas venir, je suis presque mort en plus, hein, j'en ai pris plein la tronche. Il va se téléporter, il y a du brouillard, c'est qui va se téléporter, tiens, vous avez raison. Oh, tiens, dans ta face. Oui, c'est ça, énerve-toi, énerve-toi. Ouh, la hache de la mort qui tue. Vas-y, barre-toi, Chuck, reste pas là. En fait, faut éviter d'y aller face à face, quoi, si j'ai bien compris. Hein. Tiens, tiens. Attention, il va se re-téléporter. Je l'entends dans l'oreille droite, l'oreille gauche.
Oh la vache, mais même à distance, il réussit à me choper. Allez, mais tu vas prendre, toi. Là, il est énervé. Barre-toi, Chuck, barre-toi, il est énervé. Il est énervé, je vous le dis. Waouh, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est mort ou non, j'espère. Alors, a priori, il est pas mort. Je croyais qu'il était mort. Il est où? Recharge. Et là, hop là. Attention, il a explosé. Ah, il m'en fout plein la tronche à chaque fois. Cours, barre-toi. Vas-y. Ah, c'est quoi là-dedans là? Ah, il y a des munitions, c'est bien ça. Il veut pas courir. Ah, à chaque fois que j'en prends une, je suis tout tourneboulé. Ça y est, il me refait le coup du météorite. Elle est où? Ah oui, il était en face, la vache. J'ai pas le temps de recharger à chaque fois. Hein. Cours, Chuck. Voilà, il va se téléporter. Oh là, tu les prends dans la face, celle-là, quand même, non? Allez, je me sauve. Oh, 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 oh. Il est où? Ah, il va se re-téléporter. Ah, j'ai vu passer. Je crois qu'il m'a vu aussi, du coup, parce que j'ai pris un coup. Yes! As-tu vu ce que j'en fais de ton juge Norton? Waouh, ça a été très chaud là. Waouh! Bon, il était du style vénère lui, hein, pour un premier Stromont. Premier boss, on va dire. Il était vénère. Ok, bon, ben maintenant on n'a plus qu'à rentrer dans l'auberge. Donc, moi, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on rentre dans l'auberge ensemble la prochaine fois. Dans la prochaine vidéo. Bon, ben en attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous laisse. Allez, à plus. Tchuss, bye.